tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à la gare. On est parti pour un vlog. Donc planning de la journée, fait un petit tournage. Du coup on va partir à Paris tout simplement. Je suis avec Swan, avec ma mère aussi. Et là aujourd'hui on va faire un truc, vous êtes pas prêts. En gros ma mère elle est ultra stressée pour les horaires. Donc en disant ça, où est-ce que je veux en venir finalement? Et bah écoutez, on va faire un prank à ma mère. Je sais pas quand, enfin ce sera un moment où on va être en retard je pense. Et là elle sera vraiment mais folle de rage. Mais écoutez, pour l'instant je reste tranquille. On fait tout comme il faut, mais après vous êtes pas prêts pour ce qui va arriver je pense. Bon rien que là on va descendre parce que là elle doit m'attendre déjà. Rien que là elle stresse je pense. Le train arrive. C'est bon maman, on est dans les temps, ça va? Ouais ben c'est pas grâce à toi. Et c'est la belle voiture de... Ok ok, on se dépêche, go. Allez, on monte dans le train. On est dans les temps. C'est bon là. Des stress. Bon les places 73. Bon allez, on est installé, donc là je vais pas faire trop de bruit hein, parce qu'il y a des gens à côté. Ça va Swan? Oh ouais ça va. Allez, on est parti du coup pour 2 heures. Faut pas bien patienter. Bon, en attendant, mettez un petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Toi tu prends toujours ton temps, genre t'as toute la journée là. Le train il y en avait qu'un. J'arrête de me filmer là. Je l'avais dit qu'il était stressé. Allez maintenant il est temps de manger. Je me suis pris un petit burger, les chips qui vont avec, et en dessert, un Kinder Bueno. C'est trop bon. Allez. Non. C'est mon Kinder, non, tu me le rends. Bon allez, bon appétit. On est arrivé. Paris, nous voilà. Attends mais à Paris je croyais qu'il y avait que des pigeons. Il y a aussi des énormes corbeaux, mais qu'est-ce qu'ils font là? Bon là du coup on est en route pour le Gu Live. On va du coup aller rencontrer Joanne. T'as impatient Swan là? Bah oui. Bon allez Swan, on est sur le plateau du Gu Live là. On va tester Gravitrax. Est-ce que t'es chaud là? En plus on est avec Joanne là. Joanne ça va? Ça va les gars? Yo. C'est chaud ou pas? Oh allez on est parti là. Hey, franchement je suis trop content que vous soyez là les gars. Et j'aime bien quand tu vlogs dans tous les sens Néo. Ouais ouais bah là méga vlog hein. Attention hein. Bon Swan, t'es prêt là pour le live du coup? Évidemment. Ça fait une compétition là avec des aimants et tout. T'es chaud hein? Ouais, je vais gagner, on est d'accord, je vais te démolir même. Alors attends. Bon ça y est, on a le micro, on est équipé, on a même le t-shirt Gravitrax qui est juste ici. Franchement stylé hein. Le live va commencer dans quelques minutes. Regardez-moi ce plateau de gros malades là. Gravitrax partout là. Là on a un terrain, mais c'est le plus grand du monde en fait. C'est vraiment le parcours le plus grand du monde. On va arriver là nous. Oh, j'ai trop envie de sauter dedans mais là faut pas hein, faut pas. Je vais me faire virer du tournage là sinon. Regardez, je vous montre un petit peu de plus près les parcours. Là on a carrément une tyrolienne. Sur la bille elle va tomber là. Elle va en pousser une autre juste ici qui va partir là, c'est vraiment tout un système. Moi il y a un truc que j'aime bien, c'est ça, c'est des trampolines. En gros la balle elle tombe là, elle rebondit, bon elle part par là. Et là on a un truc qui se déplie. Genre, oh oula, oh, j'ai dit... Non, j'ai pas fait exprès. Ok, bah tout part. Oh non. Ok, bon bah au moins vous avez un exemple, c'est déjà ça. Vous avez un petit peu de... Ok. Ah bah voilà, ça part. Ok, c'est vraiment stylé hein. Là on a... Ah ouais, non mais c'est trop bien le système. Oh mais tous les trucs qu'il y a, c'est incroyable. Ok, bah là elle est tombée je crois. J'ai pas voulu l'enclencher mais elle s'est enclenchée tout seule, d'accord. Bon c'était stylé en tout cas, c'est déjà ça. Bon à prendre le terrain géant, je vais faire un gros plan dessus parce que si j'enclenche tout là, ça va pas être pareil hein. Allez salut tout le monde, c'est reparti pour cette émission spéciale Gravitrax. J'espère que vous allez bien, on va passer un moment mais juste magique tous ensemble avec Swan et Méo. Déclencher la bille là-bas, la rouge là. Ouais. Combien de fois la bille va-t-elle traverser ce bloc? Vous avez 40 secondes pour vous concerter en équipe. Top, c'est parti. Allez, go. Non, mais elle y va, pour l'instant, elle fait son petit chemin. Et hop, 1, 2, 3. Et voilà, c'est bon, ça s'arrête. Non, 4. Et 5. 5. Attends. 6. 7. Et c'est tout. 7. Nous avons
Bon, c'est une fin de tournage, regardez-moi ces dégâts là, on a tout cassé, il n'y a plus rien là. C'est... Mais en tout cas, c'était cool, on s'est vraiment éclaté. Franchement, on s'est éclaté. Bah, c'est l'éclate, hein. C'est trop bien, c'est génial. Léon, bah, vous l'aimez? Bah, franchement, je comprends quoi. C'est parfait. Moi, je suis pas bien. La fin de ce live, c'était l'éclat total, hein. T'as vu tout ce qu'on a fracassé là? Super émission et bah, à bientôt, j'espère, Néo. Allez, là. À bientôt, hein. Super. Ciao, ok. Yeah. Bon, ça y est, on est du coup à la gare, c'est trop bien ce tournage. Donc, écoutez, maintenant, je vais aller au relais, histoire de me détendre, hein, tranquille, hein. Mais si, maman, on va au relais, c'est bon. Non, on va pas au relais. Mais, oh, mais si, ça va, allez. Il est dans 10 minutes. Mais t'inquiète, j'aurai large le temps, maman. Bon, on va s'installer dans le train. Oui, t'inquiète, c'est bon. Non, mais sérieux. Ah, non, mais vous voyez, hein, maman, toujours hein, stressée quand on est en retard. Maman, ne t'inquiète pas, je serai là. S'il te plaît, si tu rates le train. Ah, t'inquiète. Le train, il est dans 10 minutes, Néo. T'inquiète, pas de problème. Allez, maman, c'est bon. Écoutez, ça, c'est le début de mon prank. Vous êtes pas prêts pour ce qui va arriver. Ah, regardez comment elle s'énerve. En gros, là, je vais vous expliquer du coup l'organisation du prank. C'est très simple. Du coup, là, je vais faire croire à ma mère que je suis au relais. Donc là, elle part devant. Et ensuite, bah, quand elle sera dans le train, moi, je vais partir dans un autre wagon où elle pourra pas me voir. Et là, je vais lui faire croire en message en mode que j'ai raté le train, tout ça. Je vais l'appeler. Et regardez ce qu'elle m'envoie comme message déjà. On est assis dans le train, dépêche-toi, elle est déjà en panique. Je pense que le prank va super bien marcher. Là, j'envoie le message. C'est quel horaire déjà le train? Donc, c'est vraiment le gars pour me. Ah, bah, elle m'a envoyé un message. Comment ça? T'es pas sur le quai, il part dans 5 minutes. Alors heureusement que je suis là parce que vraiment je serais en retard sinon, hein, en vrai. On va quand même se presser, mais là, elle est ultra stressée déjà. Ça commence bien. Je vais éviter de rater le train pour de vrai quand même, ce serait dommage. On va y aller. Mais là, ça va être trop marrant. On va être sur la phase finale du prank. Vous êtes pas prêts? Alors moi, du coup, je vais monter sur la voiture 3 parce que normalement, ils sont sur la voiture 1. Donc là, ils vont être complètement perdus. En voyant ne pas arriver. Alors du coup, là, le train, il démarre dans à peine 2 minutes. Oh là là, attendez, c'est où là? Départ dans 2 minutes, t'es où? Mais c'est où déjà? Voilà, c'est parfait ça. Je fais vraiment le truc paumé quoi. Je pense qu'on va faire un appel après. Hein. Regardez le smiley que j'ai mis. Ça va parfait ça. Je crois que je suis dans la gare. On va mettre un truc comme ça, voilà. Oh non, elle est en panique. Monte dans le train, quoi. T'as pas trouvé le train. Elle vient quand elle envoie, réponds au message, c'est mauvais signe. Il y a des trains autour de moi, voilà. Je sors pour t'appeler. Oh, elle m'appelle. Oh, elle va m'appeler carrément. Allô. Ouais. Le train est prévu à 19h. Quoi? Je t'entends pas beaucoup, hein. Elle est en stress. Ouais, t'inquiète, je suis là. Ouais, t'inquiète, je suis bientôt là, t'inquiète. Bah, je suis à côté des trains là, non? Non, les trains, je suis à côté des trains. Ah bon? Ah, il y a le train qui démarre. Je crois que je suis à côté d'un train, ouais, c'est ça. Ah oui, il y a un train qui va démarrer là, faut que j'aille dessus, non? Ouais, c'est ça. Bon, je sais pas, je vais. Je suis déjà sur la route là, je vais y aller. Oh, mais je crois qu'il est marqué train numéro, je sais pas combien, j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Bah, en fait, je suis déjà parti. Bah, en fait, je suis déjà parti, tu vois, devant le train, là, je suis à l'entrée. J'attends de voir s'il y a une porte qui s'ouvre. Ouais, ça coupe, je t'entends pas trop, il y a des petits problèmes. Ouais, je reste en ligne. Et en plein coupe. Ça y est, le train est en train de partir. Là, elle va me rappeler, c'est sûr. Ah, il vient de partir le train. Ah ouais? Moi, je suis sur le quai où il n'y a pas de train. C'est quoi le problème? C'est pas vrai. Néo, le train vient de partir. Les portes sont fermées, le train est parti. Ah bon? Oh, c'est pas vrai. Quelle tragédie. Non, mais en plus, mais vas-y, fais de l'humour. T'étais où là? Ah, mon détresse, je pourrais peut-être trouver quelqu'un. Ok. Mais trouver qui? T'es à Paris, bon sang. C'est une blague. Comment on va faire? Oh, mais ça va, détente. Tu sais, je peux toujours trouver des gens pour dormir la nuit, le temps que tu reviennes. Pas de problème, non? Quoi? Mais tu veux dormir? T'as tes papiers? Ah mais non, c'est toi qui les as, c'est juste le temps d'acheter quelque chose. T'as pas ton portefeuille? Il est dans mon sac. C'est pas vrai. T'as pas ta carte bleue, rien? Maman, j'ai plus de batterie, j'ai 2% là. Comment ça, plus de batterie? Non mais c'est pas possible. Bon, écoute. Ouais. Tu es où exactement? Ah bah là, je suis... Mets-toi à côté d'un truc qu'on puisse reconnaître facilement. Je suis au quai, machin truc, et il y avait un train qui était censé partir, mais je le vois plus. Ouais, attends, je cherche. Ah, j'ai plus de batterie. Là, du coup, je vais revenir discrètement vers elle, et là, je lui dirai que c'est un prank, voilà. Parce que là, vraiment, ma mère, elle va vite péter un câble, sinon. Je suis là, maman, c'est bon. Attends, mais... Détends-toi, calme-toi. Mais c'est une blague. Calme-toi, c'est bon, je suis là. C'est une blague. Bon, relax. Maman, t'inquiète pas. Non, mais... C'était un prank, y a pas de soucis. J'étais en train d'appeler Joanne là, j'étais hyper stressée, je savais pas comment on allait faire. Tu m'as pranké. Ouais, là je t'ai fait un très beau prank, je t'ai bien pranké, t'y as bien cru. T'es sérieux? Oh là là! Ah! Et bon, mais les gens vont me prendre pour une hystérique!
Bon, je comprends, moi j'aurais tellement stressé à ta place. Attends, mais tu te rends compte, je croyais que t'étais resté à Paris, t'as pas tes papiers, carrément. Plus de batterie moi, sur téléphone. Moi j'étais en mode je rigole, mais si vraiment un truc pareil m'arrive, je suis dans le pétrin total. Comment t'allais faire? Ah oui, non mais oui. Bon bah maman, je suis désolé, c'est pour le trajet plus de prank. Bon bah c'est bon, t'es là. Ouais, c'est bon, tranquille. Oh, allez, t'inquiète pas. Allez, on va pas se détendre. On va se détendre. On va pas se détendre. Le prank a bien réussi. Bon, ça y est, après beaucoup d'émotions, nous revoilà à l'hôtel. Donc là, je suis en pyjama. Vraiment, là, on est ultra chill. On va manger tranquille. On s'est pris. Moi, je vais faire un bon petit burger qu'on va déguster. Ma mère est en train de se remettre de son prank. Bon, allez, je vais manger un bon burger. Là, il a l'air incroyable. On voit le bacon, tout ça. Il a l'air juste oufissime. On va se régaler. Là, on a les petites frites. Allez, bon appétit. En tout cas, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. On s'est bien éclaté, on a fait plein de choses. Non, mais vraiment, cette vidéo, elle était ultra riche. On est allé du coup au GooLive pour tester Gravitrax. Ensuite, j'ai fait le prank à ma mère. On a fait plein de trucs. C'était trop bien. Le prank, ça lui a pas trop plu, mais je suis d'accord. Mais moi, j'ai bien rigolé. En tout cas, moi, j'ai bien rigolé. C'était bien réussi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Ça fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche. Et en attendant, à la prochaine.